Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis bibliothécaire à la bibliothèque Sorbier dans le 20e arrondissement et je vais vous lire Le géant, la fillette et le dictionnaire de Jean Leroy et Stéphane Poulain. Un marchand de dictionnaire approche d'une immense chaumière. Il fait encore quelques pas, hésite à frapper, quand soudain... Un géant ouvre la porte. Au secours ! Un ogre ! Crie le marchand. Le géant, étonnamment, ne connaît pas la définition du mot « ogre ». Mais ça tombe bien. Il a un dictionnaire sous la main. Ogre, géant légendaire qui se nourrit de petits enfants. Manger des petits enfants ? Ça alors, je n'y avais jamais pensé. Aussi curieux que gourmand, le géant décide de préparer sur le champ un mijoté de petits enfants aux carottes. Mais comment être sûr que les deux iront bien ensemble ? Je sais. Je vais capturer un petit enfant et je le cuisinerai avec son légume préféré. Allons voir dans la forêt si je peux y trouver mon principal ingrédient. Ses recherches à peine commencées, le géant repère la silhouette d'une fillette. On dirait bien que c'est mon jour de chance. Bonjour, dit le géant un peu intimidé. Je ne parle pas aux inconnus, répond sèchement la fillette. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un produit de mauvaise qualité, s'inquiète le géant. Bon, j'en aurai bientôt le cœur net. Arrivé chez lui, le géant installe la fillette dans une grande casserole. « Quel est ton légume préféré ? » demande-t-il. « Aucun !» répond la fillette. « Je les déteste tous !» Et elle précise. « Moi, je n'aime que les bonbons. C'est pour ça que je me suis enfuie de chez moi, parce que mes parents ne voulaient plus m'en donner. Et à quoi ça sert d'être une enfant si on n'a pas le droit de manger des bonbons ?» Le géant est bien embêté. S'il cuisine la fillette avec des bonbons, il risque de réveiller sa vieille carie. Il devra alors aller chez le dentiste. Et le géant a très peur du dentiste. Il doit quand même exister un légume que tu apprécies, non ? Insiste le géant. Je te le répète, s'agace la fillette. Je déteste tous les légumes. Les choux de Bruxelles, les poireaux, les haricots verts, les navets, les courgettes, les aubergines, les petits pois, les choux-fleurs, les carottes, les tomates, les poivrons, les flageolets, les oignons, les brocolis, les betteraves et les artichauts. Oh, si ce n'est que ça, dit le géant en posant la casserole sur la table. Voici des panais, des fèves, des radis noirs, des cardes, des rutabagas, des potimarrons et une courge spaghetti. Je suis sûre que parmi toutes ces variétés, il y en a une que tu ne connais pas et qui saura te plaire. Ce gros gourmand est plus malin que prévu, pense la fillette. Si ça continue, je vais vraiment finir dans son assiette. C'est alors qu'on frappe à la porte. Des soldats font irruption dans la chaumière. Par ordre du roi, nous arrêtons tous les méchants mangeurs d'enfants. Est-ce que cet ogre voulait te manger, petite ? Demande un soldat. La fillette croise le regard terrorisé du géant. Si je vais en prison, bredouille-t-il, qui s'occupera de mes moutons ? Oh, ce n'est pas un ogre, finit par répondre la fillette. C'est un simple géant. Il avait emprunté mon dictionnaire et je suis venue le rechercher. Tout va bien, merci. Les soldats s'excusent pour le dérangement et ils rentrent au château. Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé ? Demande le géant à la fillette. Parce que moi, quand j'ai un problème, je le règle toute seule. Finalement, je ne vais pas te manger. Tu es trop coriace. La fillette ne connaît pas la définition du mot coriace. Mais ça tombe bien, elle a un dictionnaire sous la main. Coriace, sens 1. Dur, difficile à mâcher. Sens 2. Têtu. Tu as raison, c'est tout à fait moi ça. Fin. L'album est fini. Retrouvez d'autres histoires dans la série Deux yeux dix doigts. À bientôt.